Vendredi 4 août 2023, Louane se produisait à Agde dans le cadre de sa tournée Le Club des Sentiments. À la fin du concert, elle n'a pas pu aller à la rencontre de ses fans, elle s'en est excusée sur Instagram. Vous étiez plus de 10 000 ce soir et c'était trop dangereux, a-t-elle écrit. Elle en a fait du chemin depuis The Voice. En 2012, Louane a participé à la deuxième saison du Télécrochet. Coachée par Louis Bertignac, elle a atteint la demi-finale. Pairée par Éric Lartigot dans l'émission, elle a été choisie pour jouer dans La Famille Bélier, 2014. Un rôle qui lui a permis d'obtenir le César du meilleur espoir féminin. Après cette incursion au cinéma, Anne Pescher, de son vrai nom, est revenue à la musique. En 2015, elle a sorti son premier album, Chambre 12, qui a fait un carton. Depuis, elle a enchaîné les albums et les tubes. Le dernier en date, Sentiment, sorti en 2022, qu'elle présente actuellement en tournée. Vous étiez plus de 10 000 ce soir et c'était trop dangereux. Vendredi 4 août 2023, Louane se produisait à Agde, sur une scène flottante, pour la dernière date de sa tournée Le Club des Sentiments, avant des vacances bien méritées. À la fin du concert, elle n'a pas pu aller saluer ses fans, et elle s'en est excusée dans sa story Instagram. Je suis vraiment désolée. Ce soir je n'ai pas pu sortir vous voir après le concert d'Ed parce que les conditions de sécurité ne nous le permettaient pas. Vous étiez plus de 10 000 ce soir et c'était trop dangereux. A-t-elle écrit. Et d'ajouter, merci mille fois de vous être déplacé pour moi. Sachez que j'ai aimé chaque seconde de ce moment passé avec vous et que j'aurais adoré pouvoir rester plus longtemps. La maman d'Esmé a conclu, je vous aime et j'ai déjà hâte de reprendre la tournée en septembre. Merci de m'avoir fait vivre cet été magique. Je me repose un peu et on se retrouve en septembre, a ajouté Louane, en légende de photos du concert à Agde. Merci pour ce si beau moment on t'aime, le monde c'était fou, une soirée gravée à jamais dans ma mémoire. Merci beaucoup, je t'aime Louane, je t'ai vu ce soir à Agde, c'était génial. Bravo ma petite Louane pour ce beau concert, c'était un moment magique, suspendu. Merci encore pour tout, ont de leur côté déclaré les fans dans les commentaires. Ils ne lui tiennent pas rigueur de ne pas être venus les voir.